Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars, votre bouc, tonton Marcel. Bon, j'ai tout rasé. Franchement, ça me fait du bien. De temps en temps, il faut savoir retirer un peu la barbe parce que des fois, ça gratte. Mais là, ça a bien repoussé, tout ça, tout. Donc voilà, c'est pour ça. Ah, beau gosse. Je sais que vous aimez votre gars, tonton Marcel. En tout cas, je vous apprécie tous mes frérots. Je vous aime, je vous apprécie à votre juste valeur. J'espère que vous aussi, vous m'appréciez à ma juste valeur. Bon, 3xW.LSP.com. Passez vos commandes. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que je vois qu'il y en a pas mal qui passent à commande et c'est LSP, la famille. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais venir bientôt vous les ramener en main propre, vous inquiétez pas. Voilà, vous allez bientôt les recevoir, vous inquiétez pas. Bon, la famille, je sais pas qu'est-ce qui se passe sur le net. Un mec, pour 1000 E, pour 1000 E, le mec, en Russie, un youtubeur très connu. Il dette sa femme. Il dette sa femme. Mais là, un problème, ce mec, dans sa tête. Les youtubeurs en Russie, ils ont des problèmes dans leur tête. Je ne sais pas si c'est la vodka, si c'est la boisson qui leur monte à la tête, ou je ne sais pas quoi, c'est quoi d'autre comme produit. Mais non, mais tu ne mets pas dette ta femme en live comme ça. C'est quoi leur problème? Oh là là, franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et le foot là, en Turquie, le troisième arbitre. Je sais pas, t'es arbitre de l'UEFA depuis pas mal d'années. Tu sais très bien que employer des termes comme tu l'as fait, ça allait engendrer des conséquences. Ou tu l'as fait parce que tu pensais pas qu'il allait entendre ce propos que tu allais tenir. Mais nous, quand on parle d'un mec, on ne dit pas ce blanc, on ne dit pas cet arabe, on ne dit pas ce juif, on ne dit pas ce musulman, on dit ce être humain ou ce monsieur. Mais toi, tu vas dire ce négro. Mais c'est obligé qu'à un moment, la réaction, elle allait être phénoménale. Même le président turc, Erdogan, il a parlé. Notre ministre en France ici des Sports, elle a parlé. Le président en Roumanie l'a parlé. Franchement, il faut que nous, les Noirs, on arrive à se faire respecter. Nous, les Noirs, on doit se faire respecter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours nous, le peuple noir, on marche dessus. Parce que nos élites n'arrivent pas à nous défendre. Ils ne savent pas nous défendre. Nos présidents n'arrivent pas à nous défendre. Eux, à partir du moment où que leur caisse, leur compte en banque est rempli, c'est pas leur souci ce qui arrive à leur peuple. Ils s'en battent la race totale. Mais en tout cas, grosse force au PSG, parce que le PSG, ils ont soutenu cette équipe-là. Donc, ils ont décidé de rentrer dans les vestiaires. Ils ont reporté le match à mercredi. Et PSG a gagné 5-1, en tout cas, lourd LSP, lourd sale propre. Bon, vous savez, hein, que Kebla a sorti un nouveau son avec l'artiste Nino. Nino, effectivement, je fais ma vie. Donc, vous savez, Kebla, il a ramené au devant de la scène NASA. Et NASA, elle a fait pioum! Vous voyez? Mais en tout cas, grosse force à Kebla parce que, franchement, tout le monde connaît son potentiel et tout le monde connaît l'artiste qu'il est et tout le monde sait qu'il est très très fort. Et maintenant, c'est vrai qu'il ramène une grosse pointure, hein. Il ramène un bon rappeur qu'on appelle Ninho, qui est LSP aussi lourd sale propre. Et franchement, qui est couronné à chaque fois de disques de diamants. Donc voilà. J'espère que ce son aussi sera couronné de disques de diamants, mais déjà sera déjà reconnu à sa juste valeur déjà. Voilà. Et je tenais à vous parler particulièrement d'un artiste qui est vraiment sous-estimé, qu'on appelle H Magnum. H Magnum, celui qui écrit des textes pour Maître Gims. C'est lui qui écrit des textes, tout simplement, pour Kenji Chirac. Hein? Franchement, je pense que il n'est pas reconnu à sa juste valeur, H Magnum. Et j'espère que
Là, cette fois-ci, il va mériter sa juste valeur. Parce que il ramène un gros featuring avec Roi Joseph, qui sera bientôt sur les plateformes de téléchargement. Et j'espère que ça va streamer à fond la caisse. En parlant de streaming, justement, Aya Nakamura, chaque mois, elle fait 13 millions de streaming. Mais elle ne vend pas beaucoup de physique. M. Pokora l'a répondu. Mais 13 millions, 13 millions de streaming, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. À ce qui paraît, M. Pokora, lui, il fait que 1 million de streaming par mois. Mais, par contre, le mec, attention, il arrive à vendre 500 000 albums en physique. Attention. Donc, ça joue. Parce que là, c'est du physique, là, c'est du cash. C'est du cash, cash, c'est du vrai sous, c'est du direct, ça rentre vraiment à la SNRF. Voilà, c'est du roulé, voilà. Donc, franchement, j'espère du fond du cœur, franchement, que H Magnum sera reconnu à sa juste valeur avec son nouveau son featuring avec R.O.A. Joseph. Et ça va faire très, très mal. H Magnum ramène du lourd, ramène R.O.A. Joseph. Donc, aussi, les gens ne savaient pas, mais H Magnum, c'est lui qui écrit les sons de Maître Gims, de Kenji Chirac, ouais. Ah oui, la famille. Eh oui, les gens ne savaient pas. On est ensemble, je vous embrasse, c'est votre gars, Tonton Marcel, LSP lourd, sale propre. N'hésitez pas à aller sur www.lspofficiel.com. Passez vos commandes, la famille. On est ensemble, lourd, sale propre. Vous pouvez tester, vous pouvez choisir vos couleurs rouge, bleu, noir, tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez, la famille. C'est Noël. Faites plaisir à vos femmes, vos enfants et vos familles. Prenez soin de vos enfants. Ciao, c'est votre gars, Tonton Marcel.